de cadmium clair. Et comme si ce n'était pas assez clair, je lui ajoute du blanc. Ah bien là, par exemple, ça c'est vraiment clair. Un champ, aussi souvent des champs de canola, avec le reflet du jour, c'est parti, là. Je l'étire sur un seul sens, pas aller-retour, rien que sur un sens. Le jaune est cadmium clair avec du blanc. La peinture sur le dessus, très important. Mais, je reviens ici, en descendant. Donc, j'ai des mouvements ici. Si vous remarquez, je le fais seulement sur un côté. Je ne fais pas les retours. Pourquoi? C'est que si je le fais les retours, l'épaule avance. En avançant l'épaule, j'ai trop de pression. Donc, je le fais sur un seul côté. Ici, comme ça. Ah, j'ai mis du blanc. Là. J'ai mis du blanc encore. Ça fait encore plus clair. Maintenant. Toujours mince, toujours très loin. Ici. Là, en descendant. Il pourrait y avoir de l'eau ou un chemin. Ou un chemin et de l'eau. Et de l'eau et un chemin. Et puis, au travers, juste entre les deux, des petits arbustes avec de la couleur. Mais il y a un manque. C'est sûr, parce que ce n'est pas terminé. À l'autre bout, le même pinceau. Je le lave. Le même pinceau, je lave. Celui-ci. Avec du vert. Terre verte et vert de vessie. Terre verte et vert de vessie. En tapant. Le pinceau dans ce sens-là ici, oh, je vais toucher à mon vert et mon jaune ici. C'est parfait, c'est ce que je veux. Là, je fais une petite forêt, oh, vue de très loin. Et en même temps, c'est comme si je brisais mon sol ici. Alors, je continue. Ha! Merveilleux. Je continue, là. Oh, tout petit, les arbres, tout petit. Des arbres d'une trentaine de pieds de haut, mais vu de 2 km, 1 km ou 2, semble très loin. Là. Et quand j'ai fait ça, il y a un pinceau ici, le même que j'ai pris pour les montagnes. Il y a du blanc sur un côté, du vert et du bleu sur l'autre. Bon, ça va bien. Ici, attention au coup de pinceau, pas les retours comme ça. Pas n'importe comment. On va suivre le sens du sol sur un seul, mais un seul côté. Tranquillement, on étire le vert et ça devient de l'ombrage des arbres avec des boutons. Là, de l'ombrage ici. Si j'avais fait le foncier au début, je ne serais plus capable de faire de l'ombrage. Mais j'ai fait un jaune exagéré, vraiment pas beau au début, ça fait très laid, c'est jaune, jaune éclatant, trop jaune. Et quand on étire le vert, ça devient de l'ombrage avec des boutons. Eh oui, petit bouton deviendra grand, ici comme ça. Quand j'ai fait ça, je prends le même pinceau que j'ai pris pour le vert, regardez bien ça. Terre des siennes brûlées et terre des siennes naturelles. Wow! Un petit peu de blanc. Je mélange. Là. Ici, à l'autre bout, j'ai un chemin. Le chemin dans la vallée. Beaucoup trop rouille, malgré que ça existe beaucoup à l'île du Prince-Édouard et puis